Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir reçus chez vous dans le cadre de cette émission hebdomadaire débat. La paix n'a de signification que là où les droits de l'homme sont respectés, là où les gens sont nourris et là où les individus et les nations sont libres. Déclaration du 14e Dalai Lama. Le Tchad a connu des guerres civiles, des cycles révolutionnaires et des régimes autoritaires entraînant parfois des actes contraires au respect des droits de l'homme. La méconnaissance et le mépris des droits de l'homme pendant ces périodes ont conduit à des actes de barbarie et surtout des actes qui révoltent la conscience de tous. Ce dernier temps, un grand chantier de construction d'une nouvelle citoyenneté et d'un état de droit est entamé dans le pays. Des débats sont organisés ça et là autour de la question des droits de l'homme. C'est le cas du Forum national des droits de l'homme au Tchad, organisé à N'Djamena du 27 au 29 avril 2022, placé sous le thème « Intégrer la dimension des droits de l'homme dans le processus de transition ». Ce forum est en prélude au prochain dialogue national inclusif. C'était une occasion de diagnostiquer le mal, le souci des acteurs politiques actuels et du gouvernement de transition et de préserver le Tchad à venir, les générations futures, des crimes pour que le Tchad de demain reste promesse. Quel état de lieu des droits de l'homme au Tchad? Quels sont les facteurs de non-respect des droits de l'homme au Tchad? Autant de questions qui seront débattues autour de cette table où sont invités des personnalités. Je commence par M. Makaila Gebla, il est juste à ma gauche. Il est conseiller chargé des droits de l'homme à la présidence de la République. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Zoutane, merci pour l'intérêt que la télé Tchad et vous-même a accordé à la question des droits de l'homme au Tchad et nous sommes hyper ravis d'être parmi vous. Merci. Et à l'extrême gauche, M. Félix Awansou, il est représentant adjoint de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Tchad. M. Félix, merci de nous honorer. C'est un plaisir. Merci. Et je reviens à ma gauche, juste à côté de moi, M. Mbedigra Ngarcédé Valérie. Il est directeur des droits humains au ministère de la Justice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Douzoutane. Merci, c'est un plaisir. Voilà, une dame nous fait honneur, Mme Mekombe Thérèse. Elle n'est pas présentée, mais je rappelle quand même qu'elle est présidente de l'Association des femmes juristes du Tchad. Madame, merci d'avoir accepté de venir parler des droits de l'homme. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à échanger avec les autres sur la question des droits de l'homme, qui est une question très importante quand on est dans un pays de transition et qu'on voudrait le développer. Donc je vous remercie de m'avoir invité. Alors pour nous honorer davantage, vous maintenez la parole, hein. Quelle est la situation des droits de l'homme au Tchad aujourd'hui? Bon, merci pour la question. Demander de faire l'état de lieu des droits de l'homme, c'est demander de faire une évaluation de la situation des droits de l'homme. Ce qui est fastidieux pour moi de le faire. Mais étant donné que je suis dans cette lutte-là pour les droits de l'homme, pour la protection des droits de l'homme en général et les droits de la femme et de l'enfant en particulier, je pense qu'on peut déjà situer les droits de l'homme au Tchad. Étant entendu qu'on reçoit les informations, on recueille les informations, on reçoit également les victimes des violences. Et donc ça veut dire que les droits de l'homme au Tchad est mitigé, pour moi c'est mitigé. On ne peut pas que le respect des droits de l'homme est totalement acquis au Tchad, mais il est mitigé. Donc des efforts restent à faire pour que nous puissions parler éventuellement du respect des droits de l'homme au niveau du Tchad. La situation est mitigée. Je me tourne vers le directeur des droits humains au ministère de la Justice. Quelle est la situation que vous faites des droits de l'homme au Tchad? Est-ce que vous constatez qu'il y a une amélioration? Oui, merci, M. Zoutane. Faire la situation donc, des droits de l'homme au Tchad revient donc à se poser donc, un certain nombre de questions. Notamment les questions qui concernent donc les efforts du gouvernement à asseoir effectivement donc les droits de l'homme au Tchad, donc au niveau donc des institutions de la République qui permettent donc
à la population ou aux acteurs donc de mener ou d'observer ici donc la question des droits de l'homme, mais également de regarder au niveau de l'internalisation donc des instruments internationaux ratifiés par le Tchad et qui permettent également ou qui constituent donc ces instruments juridiques qui permettent donc également donc à ces acteurs d'agir, donc de se lever, par exemple, aux sociétés civiles, de se lever pour dire que le Tchad a donc ratifié à telle convention et que si tel fait ou bien tel acte est posé sur un citoyen, ça constitue ici une violation des droits de l'homme. Donc, c'est, si on regarde sous cet angle, je pense qu'il y a des efforts quand même du côté du gouvernement qu'il faut donc. Maintenant, quant à la pratique, comme l'a dit l'autre, effectivement, c'est mitigé parce que par-ci, par-là, on entend des cas de violation de l'homme qui remontent donc aussi au niveau de la capitale et de temps en temps lorsque ça remonte ça interpelle donc les décideurs, ça interpelle tous les acteurs qui se soulèvent pour donc essayer donc toujours d'améliorer afin que la question des droits de l'homme devienne donc une réalité. Donc effectivement faire un état de lieu c'est pas en état record qu'on peut faire donc l'état de lieu de la question des droits de l'homme au Tchad. Tout de même il faut relever que nous sommes donc dans une dynamique de progression, mais d'amélioration dans la question des droits de l'homme. Oui, avant de donner la parole aux autres invités, nous voudrions encore vous relancer sur cette question. Y a-t-il des facteurs que vous avez eu à recenser, des facteurs de non-respect des droits de l'homme, particulièrement ici au Tchad, vous au niveau du ministère des tutelles? Oui, les facteurs qui contribuent donc au non-respect des droits de l'homme au Tchad, effectivement, nous recensons donc ces facteurs qui sont donc, entre autres, le Tchad, comme je l'ai déjà dit, il y a donc assez de textes, mais il se pose le problème de la vulgarisation donc de ces textes. Donc ça fait que les textes qui traitent donc de la question des droits de l'homme n'atteignent pas donc les coins et les recoins du Tchad. Donc certains, c'est par ignorance. D'autres, effectivement, c'est que le niveau ou bien le taux d'alphabétisation donc au Tchad fait que c'est pas tout le monde qui comprend ici ou bien qui connaît donc les droits de la République qui permettent donc à la population ou aux acteurs donc de mener ou d'observer ici donc la question des droits de l'homme, mais également de regarder au niveau de l'internalisation donc des instruments internationaux ratifiés par le Tchad et qui permettent également ou bien qui constituent donc ces instruments juridiques qui permettent donc également donc à ces acteurs d'agir, donc de se lever, par exemple aux sociétés civiles de se lever pour dire que le Tchad a donc ratifié à telle convention et que si tel fait ou bien tel acte est posé sur un citoyen, ça constitue aussi une violation des droits de l'homme. Donc c'est si on regarde sous cet angle, je pense que il y a des efforts quand même du côté du gouvernement qu'il faut donc. Maintenant, quant à la pratique, comme l'a dit l'autre, effectivement, c'est mitigé parce que par-ci, par-là, on entend des cas de violation de l'homme qui remontent donc aussi au niveau de la capitale. Et de temps en temps, lorsque ça remonte, ça interpelle donc les décideurs, ça interpelle tous les acteurs qui se soulèvent pour donc essayer donc toujours d'améliorer afin que la question des droits de l'homme devienne donc une réalité. Donc, effectivement, faire un état de lieu, c'est pas en état record qu'on peut faire donc l'état de lieu de la question des droits de l'homme au Tchad. Tout de même, il faut relever que nous sommes donc dans une dynamique de progression, mais d'amélioration dans la question des droits de l'homme. Oui, avant de donner la parole aux autres invités, nous voudrions encore vous relancer sur cette question. Y a-t-il des facteurs que vous avez eu à recenser, des facteurs de non-respect des droits de l'homme, particulièrement ici au Tchad, vous au niveau du ministère des tutelles? Oui, les facteurs qui contribuent donc au non-respect des droits de l'homme au Tchad, effectivement, nous recensons donc ces facteurs qui sont donc, entre autres, le Tchad, comme je l'ai déjà dit, il y a donc assez de textes, mais il se pose le problème de la vulgarisation donc de ces textes. Donc ça fait que les textes qui traitent donc de la question des droits de l'homme n'atteignent pas donc
les coins et les recoins du Tchad. Donc certains, c'est par ignorance. D'autres, effectivement, c'est que le niveau ou bien le taux d'alphabétisation donc, au Tchad fait que ce n'est pas tout le monde qui comprend ici ou bien qui connaît donc les droits de l'homme en tant que tel. C'est quoi les droits de l'homme? Une grande partie donc de la population ignore également donc les droits de l'homme. Ça fait que ces droits sont donc de temps en temps violés. Et également donc au niveau donc cela veut dire que certains actes sont jugés plutôt licites par la population. Hein? Trouve que c'est normal, c'est pas une violation des droits de l'homme. Oh oui, il y en a qui par ignorance peuvent trouver que c'est licite, mais il y en a qui ignorent totalement que tel fait est constitué donc de violation des droits de l'homme. Non, par ignorance, il y a également des actes, mais il y en a qui également donc faut-il le dire clairement que également par manque de sanctions à un certain niveau, je pense que ces actes également, si les sanctions permettent de comprendre que tel acte a été fait, telle violation des droits de l'homme a été donc commis, et cet acte a donc été donc réprimé. Donc ça peut servir de leçon, mais à un certain niveau, il manque également donc de la répression en tant que telle, et ça fait que ça rentre également dans les facteurs qui font que de temps en temps, ces droits de l'homme sont donc violés. Monsieur Makaila Gebla, vous êtes conseiller chargé des droits de l'homme du président du conseil de transition, conseil militaire de transition. Et quel regard faites-vous sur la situation des droits de l'homme au Tchad? Est-ce que il y a des efforts qui sont fournis? Et est-ce qu'il y a encore des résistances par rapport à ce que nous venons de relever les deux intervenants? Merci, merci pour la pertinence de votre question. Effectivement, la situation abordée ici par Mme Mukombe, qui est une actrice de terrain, et M. Valéry, qui est un acteur institutionnel, qui ont essayé de donner un point de vue assez global sur la situation des droits de l'homme. Moi, je pense que des efforts, de mon point de vue, sont faits, sont posés par les plus hautes autorités de la transition. Et dans votre introduction tout à l'heure, vous avez effectivement fait un long parcours de l'histoire politique du Tchad, hein, qui est marqué par la confiscation du pouvoir, qui est marqué également par des régimes d'exception qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas aidé à la contribution de l'émergence d'une culture des droits humains. Et tout à l'heure, vous avez évoqué également que la paix, que les droits de l'homme ne peuvent se faire sans la paix. Donc c'est vrai, c'est un élément important et catalyseur pour une stabilité dans un pays comme le nôtre. Aujourd'hui, je pense que des efforts sont menés hein, à tous les niveaux. Notamment si vous constatez que le Forum national sur les droits humains ont été organisés en Yémen, donc ça montre une ouverture d'esprit et une prédisposition effectivement, de ces autorités inclines déjà à pouvoir améliorer cette situation assez préoccupante décrite par les acteurs de terrain. Aujourd'hui, nous pensons également que ces efforts sont à saluer, hein, sinon on ne serait pas aujourd'hui là autour d'un plateau pour en débattre avec des acteurs qui sont assez impliqués, experts dans ce domaine. Donc je pense qu'il faut saluer ces efforts et qu'on va, à partir de maintenant, dans une période de tension comme la nôtre, faire en sorte que les efforts de la société civile, que les efforts des acteurs institutionnels et bien des experts internationaux qui nous accompagnent puissent être effectifs afin de permettre à notre pays, à nos peuples, à nos populations de s'approprier une culture des droits humains. Parce qu'on ne peut pas bâtir une nation, on ne peut pas bâtir effectivement une cohésion nationale et un équilibre sociétal entre les uns et les autres sans vraiment le respect des droits humains. Je pense que ces efforts sont vraiment à promouvoir, surtout la défense, la protection des droits de l'homme, et qui sont vraiment fondamentales pour un pays comme le nôtre. Je salue effectivement la description faite par Mme Mekombe, aussi bien par Valérie, qui sont restés quand même réticents. Je pense qu'ils doivent dès maintenant s'assurer qu'au plus haut niveau, les gens sont sensibles à cette question, et que s'il y a des remontées d'informations, nous n'hésiterons pas à interpeller les plus hautes autorités afin qu'elles essayent de faire des efforts tendant à améliorer mieux la situation des droits de l'homme au Tchad. Merci. Monsieur Félix, vous êtes représentant adjoint de la haute commissaire des Nations Unies pour le droit de l'homme au Tchad. Vous êtes observateur et vous suivez de près l'évolution des droits de l'homme au Tchad. Et les droits de l'homme ont des garanties, des textes qui régissent leur respect dans nos pays. Et pour le cas particulier du Tchad, quelle observation vous faites? Est-ce que vous constatez que l'évolution semble être positive? Ça donne l'espoir que
Le Tchad peut être compté parmi les pays qui respectent les droits de l'homme. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic posé par ma prédécesseur. Et je dis qu'en tant que représentant du bureau, représentant adjoint du bureau du Conseil des droits de l'homme ici au Tchad, notre regard nous permet de dire que les droits de l'homme sont comme à mi-chemin au Tchad. Parce que la réalisation des droits de l'homme, c'est un processus, c'est un voyage. Et des progrès sont faits. Parce que le Tchad a montré son ouverture vis-à-vis des droits de l'homme, sa sensibilité vis-à-vis des droits de l'homme, en ratifiant un certain nombre de traités, en ratifiant un certain nombre de conventions internationales relatives aux droits de l'homme, tant au niveau régional qu'international. Et donc, le fait d'avoir ratifié ces conventions, déjà, qui donnent des droits aux citoyens tchadiens, citoyens et citoyennes tchadiens, c'est déjà un pas important dans la réalisation des droits de l'homme. Mais ce n'est qu'un pas. Ce n'est qu'un pas. Il reste à ce que ces engagements, qui sont pris au niveau international et au niveau régional, soient mis en œuvre concrètement au Tchad, que les citoyens tchadiens puissent jouir pleinement de leurs droits et de tous leurs droits, des droits économiques, des droits civils, culturels, politiques, sociaux, de tous les droits, de façon indivisible et de façon indiscriminée également. Donc c'est là qu'il reste des efforts à faire. Mais on note par ailleurs aussi que le gouvernement fait quand même des efforts en ayant installé, par exemple, la Commission nationale des droits de l'homme, et qui est là depuis 2 ans, qui a fonctionné depuis 2 ans de façon régulière, et qui constitue l'institution nationale des droits de l'homme, qui doit être, c'est l'organe qui doit faire vraiment la promotion, la protection des droits de l'homme au Tchad, bien sûr en partenariat avec le gouvernement. Et nous, notre bureau suit et appuie également cette commission, et autant que nous appuyons également le gouvernement à travers le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité et de l'Immigration également, pour le respect des droits de l'homme, d'un certain nombre donc, de droits de l'homme. Je peux donc dire que c'est un processus, on est à mi-chemin, il reste à faire au Tchad encore. Mais on note l'ouverture des autorités politiques ici au Tchad, notamment pendant cette période de transition qui constitue une opportunité. Une opportunité après ce que vous avez rappelé, après les différents régimes que vous avez rappelés, les situations que le Tchad a connues. Je crois que cette transition politique et institutionnelle offre une opportunité à l'État tchadien et au peuple tchadien de réfléchir à la place qu'occupent les droits de l'homme dans la société tchadienne. Et c'est d'ailleurs, je crois que c'est ce qui a motivé la tenue du Forum national sur les droits de l'homme, porté par le ministère de la Justice, et avec notre appui et l'appui du Bureau du Conseil des droits de l'homme la semaine dernière. Voilà, monsieur Félix faisait allusion au ministère de la Justice, qui œuvre effectivement pour le respect des droits de l'homme au Tchad, Madame Mekombe. Parlons un peu de l'administration de la justice, qui doit garantir, par exemple, le procès équitable et autres. Est-ce que vous pensez que des efforts sont fournis au niveau de l'administration de la justice pour garantir les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme au Tchad? Quel regard critique vous pouvez faire? Entendre parler des autres, c'est comme si tout est rose. Tout heureux, c'est vrai, nous avons le ministère de la Justice et des Droits Humains, nous avons la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons beaucoup d'institutions, nous avons également les engagements pris par l'État tchadien. Oui, est-ce que ces institutions sont efficaces? Ces institutions, en ce moment-là, ne sont pas efficaces. Quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, les magistrats sont allés en grève, les avocats sont allés en grève, le citoyen lambda n'a plus confiance à la justice. Parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Quelqu'un qui est victime d'une violence, dont le ministère de la Justice doit lui rendre ses droits, ne le fait pas. On est sur deux poids, deux mesures, comme si dans ce pays-là, nous avons deux catégories d'individus.
Il y en a qui sont sanctionnés parce qu'ils ont commis des infractions, mais d'autres coulent dans une impunité totale. Et donc, moi, je ne peux pas dire ici que les droits de l'homme sont respectés. Ce n'est pas la justice qui doit faire les droits de l'homme. C'est les hommes qui travaillent au niveau de la justice qui doivent faire la justice. Mais quand ces hommes-là ne le font pas, quand le droit n'est pas dit, on ne peut pas dire ici que les droits de l'homme sont respectés. Tous les jours que Dieu fait, nous entendons des violations de droits de l'homme par-ci, par-là. Pas plus tard qu'hier encore, un jeune a été torturé jusqu'à la mort dans un commissariat. On est dans un état de droit, des choses pareilles ne doivent pas se passer. Et je suis sûre que la personne qui a posé cet acte-là ne sera même pas punie. Ne sera même pas sanctionnée parce que c'est un Tchadien de quelque part. C'est le fils d'eux, c'est l'enfant d'eux, c'est le frère d'eux. Et c'est ça qui fait qu'il y a l'impunité qui sévit dans ce pays-là. Donc moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne peux pas dire ici que les droits de l'homme sont respectés. On est très loin du respect des droits de l'homme. Nous sommes dans une phase de transition. Une phase de transition ne veut pas dire que les engagements pris par le Tchad ne doivent pas être respectés. L'État ou bien la fonction, c'est une continuité. Mm-hmm. Ceux qui sont arrivés savent qu'il y a des instructions qui sont là. Il y a les engagements que le Tchad auxquels le Tchad a souscrit qui sont là. Donc, il suffit de les respecter, tout simplement. Mais même la liberté de manifester sont réprimées. La liberté d'expression, je crois que c'est passé hier qu'on a célébré la Journée internationale de la presse. Combien de journalistes ne sont pas inquiétés parce qu'ils ont osé dire une certaine vérité? Donc, je crois que malgré cette manière de vouloir cacher le soleil ou bien la lune avec la main, je ne crois que ça ne peut pas aller. Et si on est arrivé à organiser ce forum sur le droit de l'homme, c'est parce qu'on s'est rendu compte, on a constaté qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et il faudrait que les gens se réunissent pour pouvoir évaluer, pour pouvoir échanger, pour voir comment on peut faire en sorte que les droits de l'homme puissent être respectés. Il y a un premier forum qui a été organisé en 2003. Mm-hmm. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Depuis lors, on n'a pas organisé jusqu'à ce qu'en 2022, un partenaire qui puisse susciter l'organisation de ce forum-là pour pouvoir nous aider à réfléchir aux droits de l'homme au Tchad. Donc moi, je pense qu'il y a des efforts, même si on dit qu'il y a des efforts qui sont faits, moi, je pense que ces efforts-là ne peuvent même pas être évalués. Mm-hmm. Si on regarde vraiment au regard du droit, au regard des textes, on ne peut pas dire ici que le droit de l'homme soit respecté au Tchad. Peut-être que moi, en parlant ici, en sortant, peut-être que je pourrais même être inquiété. Alors, les gens ne peuvent même pas s'exprimer. Le droit à la parole est réprimé. Le droit à manifester est réprimé. Quand un magistrat veut dire le droit, il est non seulement sanctionné, mais il est inquiété. Combien de magistrats sont inquiétés parce qu'ils ont voulu dire le droit. Oui. Donc moi, je pense que le droit est un tout. Hein. Il y a le représentant tout à l'heure qui a parlé de l'indivisibilité. Il y a l'inviolabilité. Le droit est indivisible, inviolable. Le droit est un tout. On ne peut pas respecter un droit et laisser de côté un autre droit. Et ça forme un tout. Et donc, je pense que quand on veut respecter le droit, il faudrait qu'on prenne le droit de l'homme là dans son ensemble, dans son entièreté. Mais ne pas dire que, bon, on respecte parce qu'on dit, on essaie de faire en sorte que le droit à la santé s'améliore, le droit à l'accès de l'eau, même ça, c'est un problème encore qui est là. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler de droit de l'homme. Et comme je l'ai dit, il faut prendre le tout. Il faut prendre le tout ensemble. Et je pense que les autorités de la transition doivent faire cet effort-là. On a beau dénoncer le non-respect des droits de l'homme dans l'ancien régime, mais c'est comme si on est en train on est dans la prolongation même du non-respect des droits de l'homme, même dans la phase de transition. Et donc c'est ça qui doit amener à faire très attention. On doit faire très attention. Et le droit de l'homme, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. C'est pas une question des défenseurs des droits de l'homme, c'est pas une question des femmes, c'est pas une question des ADH, mais c'est une question de tous les Tchadiens. Parce que c'est tous les Tchadiens qui sont inquiétés quand le droit de l'homme n'est pas respecté, quand un Tchadien est violenté, quand un Tchadien n'est pas sanctionné parce qu'il a commis un acte. C'est le non-droit qui est dit. Et donc, je crois que nous devons nous mettre ensemble et ne pas penser que tout est rose et que tout est clean, que nous devons avancer de cette manière-là. Non. Ce n'est pas de cette manière-là que moi, je vois le respect des droits de l'homme. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait que, s'il y a des choses qui ne marchent pas, qu'on ait le courage de le dire que ça ne marche pas dans tel ou tel domaine. Mm-hmm. Et comment faire pour améliorer? Nous sommes là pour pouvoir améliorer. On n'est pas contre quelqu'un.
On veut seulement que tout marche, que tout marche et que nous puissions avancer. Maintenant, réfléchir au développement et ne pas être tout le temps là, être inquiété. Et quand on est inquiété, on ne peut même plus réfléchir à quoi que ce soit. Oui, le respect des droits de l'homme est une condition sine qua non pour la paix. Pour la paix, pour le développement d'un pays. Voilà, merci Madame Thérèse. Vous venez de mettre le doigt dans la plaie, hein, Monsieur le directeur des droits humains. Et l'administration de la justice est décriée ici. Si nous croyons bien, les institutions sont fortes, sont bien, mais il y a un sérieux problème de mise en œuvre. Quel commentaire vous pouvez faire de cette analyse que Mme Mekombe Thérèse vient de faire par rapport surtout à l'administration de la justice? Ok, merci. Mme Thérèse, que je respecte beaucoup, est dans une logique défenseur des droits de l'homme qu'on connaît. Si le forum a donc été organisé, c'est parce qu'effectivement, au sein de l'administration, il y a conscience qu'il y a des manquements et qu'il faudrait que les Tchadiens se retrouvent. Est-ce que ces manquements relevés sont réels? Pas de manière intégrale. Il y a effectivement des vérités dans ce qu'elle a dit. Mais il faut comprendre que, au niveau donc du ministère, les institutions sont là. Nous avons donc une école qui forme donc les magistrats. Nous avons donc la justice. Mais c'est question d'hommes, comme il a dit. C'est question d'hommes. Et donc, nous avons également donc consacré le premier thème, l'administration de justice et le droit à un procès équitable. Ça veut dire qu'au sein même de la justice, il y a des brebis galeuses. Il y a effectivement donc, des brebis galeuses, et ça a été dénoncé donc au sein donc, du forum. Ça a été dénoncé parce qu'il a été relevé qu'il y a même des magistrats qui n'ont pas eu donc de formation de juristes et qui sont donc des magistrats. Et ceux-là, des recommandations ont été faites. Ces recommandations, nous allons donc les transmettre donc à qui de droit pour qu'ils puissent donc les traduire en actes afin que le citoyen tchadien puisse espérer avoir donc un procès équitable. Donc, il faut relever qu'effectivement, les difficultés existent quant à donc à assurer une justice équitable. Ces difficultés existent, ces difficultés sont relevées, mais il faut également relever que des efforts sont en train d'être faits. Je pense que avant-hier, il y a donc le concours qui est lancé. Ce concours, cette fois-ci, je pense qu'il y a de la rigueur qui est donc mise au niveau de l'école pour qu'on recrute effectivement des juristes avec donc un niveau élevé, tout au minimum une maîtrise en droit. C'est le souci est effectivement donc de mettre donc sur le marché de l'emploi ou bien donc d'outiller donc ce ministère des magistrats capables donc de dire le droit. Maintenant pour ce qui est donc des libertés et autres, tout ça, je pense que nous allons toujours, c'est effectivement le rôle, nous allons toujours continuer par demander à l'État de mieux faire. Sinon, il y a de l'espace pour s'exprimer, il y a des libertés. Nous avons donc les journaux qui sont là, nous avons donc les réunions, les associations qui sont là. Nous avons donc aujourd'hui, par exemple, des libertés de manifester. Je pense qu'elles existent, sauf qu'il faut donc une autorisation en préalable. Tout ça. Donc, le cadre est là et les efforts sont donc en train d'être faits et pour que les droits de l'homme puissent donc être une réalité. Si ce forum a été organisé donc en prélude donc du dialogue national, c'est effectivement pour appeler donc à la haute hiérarchie que pendant donc la transition, il ne faut pas occulter la dimension des droits de l'homme. Nous avons tendance à comprendre que tous les débats se focalisent sur les aspects politiques, mais sans donc le respect des droits de l'homme, comme le ministre l'a donc si bien dit au discours donc de clôture, c'est-à-dire rien ne peut être possible si les droits de l'homme ne sont pas respectés. Dans un État, aucun développement ne peut être possible si l'humain ne se sent pas donc en sécurité. Et donc, effectivement, c'est que tous les aspects dans nos échanges au niveau des provinces, nous avons donc des retours. Et pour arriver donc à ce forum, il faut relever que nous avons donc d'abord procédé par des forats au niveau des provinces. Nous avons donc organisé des forats à Bangor, à Béché et à Mao, qui ont donc regroupé les associations des droits de l'homme et les représentants des États. Donc, toutes les provinces, ces recommandations sont sorties et ces recommandations seront donc ajoutées donc aux recommandations issues donc du forum de N'Djamena
pour pouvoir être transmis donc à qui de droit. Ça veut dire que c'est une le gouvernement en lui-même à travers le ministère de la Justice qui est donc chargé d'assurer donc la protection donc des êtres humains comprend et accepte qu'il y a des efforts à faire en matière donc des droits de l'homme. Alors, monsieur le conseiller, vous êtes donc conseiller du chef de l'État et en matière des droits de l'homme. Et il y a eu beaucoup de rencontres autour de cette question des droits de l'homme au Tchad. Les recommandations ne sont pas mises en pratique pour améliorer la situation des droits de l'homme au Tchad. Est-ce que vous avez des garanties ces derniers temps que ces recommandations seront traduites dans les actes? Merci beaucoup. Je pense que le rôle que les militantes et les militants de droits de l'homme doivent jouer, c'est d'accompagner effectivement les autorités de la transition à améliorer davantage cette situation. Maintenant, à propos des recommandations, je suis tout à fait persuadé que ces recommandations pourront être appliquées dans la mesure où, si je prends le cas de ces derniers temps, il y a eu des violations de droits de l'homme massives, que ce soit à Sarre, à Sandaga ou bien à Béché, où des cas ont été... des actes, hein, c'est indéfendable, ont été posés et que quand on voyait le président de la République s'est déplacé lui-même à Péché pour rassurer les victimes, s'est déplacé à Sandaga pour également rassurer les victimes et tenir le discours d'apaisement, ça montre justement sa volonté. Maintenant, les recommandations qui ont été émises suite à ces forums, parce qu'elles émanent totalement des participants. Donc les participants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs de la société civile, les experts, les universitaires, les activistes qui ont participé ont vraiment débattu sans tabou lors de ces forums. Donc forcément, ces recommandations, on peut avoir la garantie, elles seront transmises. Hein. Je rappelle que je viens de saisir personnellement le président de la République pour lui demander effectivement de prendre acte de ces recommandations et nous allons veiller à ce que ces recommandations soient appliquées pour permettre à cette situation, au peuple tchadien de sortir de ce climat de terreur, hein, de ce climat de répression généralisée, de cette d'intimidation où sont victimes de manière permanente certaines couches de nos sociétés. Je comprends l'inquiétude qui est soulevée Mme Mekombe qui est sur le terrain. Hein. Je voudrais juste rassurer les uns et les autres que si jamais des cas de figure, comme elle a évoqué, parviennent à se produire, qu'on nous saisisse rapidement avec nous, qu'on puisse saisir la plus haute autorité, saisir également le ministère de la Justice, afin qu'il y ait une descente sur plan. Moi, je voudrais juste témoigner que moi-même, personnellement, un dimanche, je me suis rendu dans un commissariat pour libérer des diplômés sans emploi qui n'ont pas demandé une autorisation. Et ils ont manifesté, ils ont été arrêtés. Donc, ma descente sur le terrain a permis au commissaire de pouvoir libérer ces diplômés sans emploi et de rentrer chez eux dans la quiétude. Et nous veillerons, à partir de maintenant, nous verrons à ce que les respects des droits de l'homme soient intégrés dans notre société et que personne ne peut être au-dessus de la loi. Et que le président de la République, qui est déjà sensible à cette question, il a même voulu marquer sa participation lors de ce forum. Seulement, son agenda ne lui a pas permis d'être parmi nous le jour de l'ouverture du forum, ce qui fait qu'il a été remplacé par le ministre de la Justice qui était présent et qui a fait un discours fortement d'apaisement, un discours d'assurance à l'égard de tous nos concitoyens et concitoyennes. Moi, je suis très convaincu, hein, que ces recommandations seront appliquées et que nous allons faire en sorte que vraiment l'engagement du Tchad au plan national, l'engagement du Tchad au plan international, qu'il y ait une cohérence dans ces domaines. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans respect des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, au niveau international, je parle sous le contrôle de M. Félix, au niveau international, des exigences sont imposées à nos États, les États africains qui ne sont pas respectés des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, l'aide publique au développement est conditionnée par respect des droits de l'homme. Et pour que vraiment qu'on ait un envol sérieux sur la question problématique des droits de l'homme, il faut absolument que nous essayons d'assainir l'espace des libertés, que nous essayons d'assainir l'environnement des droits de l'homme pour permettre effectivement à nos partenaires internationaux de s'assurer et de donner de l'aide publique au développement qui nous permettront effectivement de payer nos travailleurs, de payer également tous les militaires et même de faire en sorte que les Tchadiens vivront dans un climat vraiment d'apaisement et d'assurance en termes des droits de l'homme. Merci, monsieur le conseiller. Oui, je voudrais compléter le conseiller sur un aspect. En ce qui concerne donc les garanties de l'application des recommandations, je pense que si nous avons donc choisi d'organiser le forum à quelques jours donc du dialogue national, c'est effectivement, nous l'avons dit, la particularité est que ce forum a donc mis sur pied un comité de suivi et d'évaluation donc des recommandations. Et ces recommandations, je l'ai dit tantôt, vont donc être transmises donc à qui de droit. Et étant donné que le dialogue national est donc souverain, les recommandations qui en sortent
sont donc exécutoires. Et donc, c'est de transmettre donc ces recommandations afin qu'ils soient donc prises en compte lors donc du dialogue national. Et comme tel, nous osons croire que les recommandations ici seront également donc exécutées comme tout acte issu donc du dialogue national. Oui, ça c'est des garanties. Monsieur Félix, vous voyez, il y a une volonté affichée de la part du gouvernement de traduire dans les faits les recommandations cette fois-ci de cette rencontre. Mais il y a parfois des problèmes dans la mise en œuvre des recommandations qui demandent nécessairement l'appui des institutions internationales telles que les Nations Unies et autres. Est-ce que vous êtes disposé à accompagner le gouvernement tchadien dans la mise en œuvre des recommandations qui sont faites pour améliorer la situation des droits de l'homme au Tchad? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter le ministère de la Justice pour avoir porté ce projet. Le projet de ce forum national sur les droits de l'homme, avec l'appui également du conseiller aux droits humains à la présidence, un forum que nous avons appuyé. Je félicite le ministère parce que c'est un moment, nous sommes dans un moment crucial au Tchad, ici, dans une transition où il y a un dialogue national inclusif qui est à l'horizon. Et donc, le dialogue national, ce n'est pas certain que les droits de l'homme auront la place suffisante qu'il faudra au dialogue national inclusif. C'est pour cela que je salue l'initiative de ce forum national uniquement, spécifiquement sur les droits de l'homme avant le dialogue national inclusif. Et donc, parce qu'il y a quelque temps ici, marcher, faire une protestation au Tchad était complètement, totalement, c'était interdit. C'est pour cela que tout à l'heure je disais que nous avons vu des avancées, il y a des pas. Parce que depuis la transition, on a vu que des manifestations sont autorisées. Bien sûr que du point de vue des standards internationaux, on n'est pas encore arrivé. Parce que le principe voudrait qu'on n'ait pas besoin d'autorisation expresse avant de faire une manifestation. Mais à passer de l'interdiction totale à une autorisation sous condition, nous remarquons que c'est un pas. Et nous voulons bien que le Tchad puisse faire un autre pas en rendant suffisamment libres les manifestations publiques. Et donc, ça, c'est un pas. Le Forum national sur les droits de l'homme qui a été tenu, donc, et qui a abordé beaucoup de sujets, a permis aux acteurs, des experts, des gens expérimentés, des gens de la société civile, des représentants de l'État, de décortiquer beaucoup de questions des droits de l'homme qui se posent dans le pays. Et le ministre de la Justice a promis remettre les résultats, les conclusions, les recommandations à la plus haute autorité et que ces recommandations seront discutées au dialogue national inclusif. Le ministre nous l'a promis, le conseiller également. Et donc, moi, je pense que ce qui est là aujourd'hui, c'est que le forum a été déjà un succès. Et le succès sera total lorsque les recommandations seront mises en œuvre, comme vous le soulignez. Mais moi, je suis optimiste. Pourquoi? Parce que j'ai vu que parmi toutes les recommandations, il y a 3 recommandations globales, principales. Qui est que la première, c'est qu'il est recommandé, le forum a recommandé au gouvernement de mettre en place, d'élaborer une politique nationale des droits de l'homme et un plan national d'action pour mettre en œuvre cette politique. Ensuite, a demandé qu'un mécanisme national de suivi soit créé, qui soit tripartite ou en tout cas composé des représentants du gouvernement, de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers. Et donc, on voit la différence par rapport à ce qui s'est fait il y a 10 ans environ, que si le gouvernement, avec la volonté que je vois, accepte de mettre en place une politique nationale, d'élaborer une politique nationale des droits de l'homme, ça va englober tout le diagnostic et toutes les recommandations qui ont été faites par ce forum. Et donc, son plan d'action national va permettre de mettre en œuvre ces recommandations. Et le mécanisme de suivi va permettre aussi de suivre, de faire le plaidoyer par rapport
vis-à-vis des autorités, de temps à autre, pour voir, pour demander où est-ce qu'on en est avec cette recommandation-ci. Donc je pense qu'avec ces trois éléments, on a de l'espoir, on peut avoir de l'espoir que les recommandations, même si elles ne sont pas toutes mises en œuvre, qu'on peut avoir quand même une mise en œuvre de ces recommandations-là avec ces éléments que je viens de citer. La politique nationale des droits de l'homme, son plan national d'action et le mécanisme de suivi des recommandations de ce forum et puis de la politique nationale des droits de l'homme. Je pense que si on doit demander quelque chose, c'est que le gouvernement prête oreille à cela, mette cela en œuvre et nous, notre bureau, le bureau du Conseil des droits de l'homme, peut appuyer l'élaboration de cette politique nationale et de son plan d'action et également participer au mécanisme de suivi. Mais je voudrais vous poser cette question pour avoir votre réaction, puisque quand on parle de marches qui ne sont plus réprimées, qui sont autorisées, et il faut aller peut-être au-delà, en parlant par exemple des conflits éleveurs-agriculteurs, des conflits intercommunautaires qui sont encore récurrents ces derniers temps. Il faut aussi peut-être parler des Tchadiens lambda qui ne mangent pas à sa faim. Est-ce que ce ne sont pas aussi des violations des droits de l'homme? Est-ce que, au niveau des Nations Unies, est-ce que les partenaires sont prêts à aider le Tchad à enrayer ces problèmes? Si ces problèmes continuent à sévir, il y a toujours problème des droits de l'homme. Bien sûr, la question des conflits agriculteurs-éleveurs est une question qui prend de l'ampleur d'ailleurs. Au Tchad, bon, pas seulement au Tchad, mais quand même nous sommes au Tchad, on parle donc du Tchad. C'est une question importante et nous, notre bureau a commencé à travailler sur cette question pour voir un peu quelles sont les causes profondes de ces conflits et leur impact sur la réalisation, la jouissance des droits de l'homme, notamment le droit à l'alimentation, parce que on parle d'éleveurs, on parle d'agriculteurs, il s'agit des activités génératrices de revenus, des activités qui permettent aux gens de se nourrir et donc de mener une vie décente. Et donc, on a fait un projet là-dessus, mais au même moment, le Forum national sur les droits de l'homme a discuté de ces questions et a fait donc des recommandations. Et ce que je remarque, c'est que, à travers tout ce que les résultats du Forum, c'est que, au fond, ces conflits ont des causes qui se trouvent un peu plus dans la législation et dans la mise en œuvre efficace de la législation. Donc, il y a des réformes à faire. Il y a des réformes à faire au niveau du foncier, il y a des réformes à faire au niveau de l'agriculture et du pastoralisme. Donc, ces réformes, tout ça là va se trouver dans le plan, la politique nationale des droits de l'homme, dans son plan d'action, et le suivi sera fait pour ça. Donc, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est une question des droits de l'homme qui se pose effectivement. Et il va falloir, pour aller à la source, il faut faire des réformes et veiller à leur mise en œuvre. Mais pour l'instant, il y a une question d'impunité, donc de l'administration de la justice qui se pose, qu'il faudra régler avec la volonté de lutter contre l'impunité dans le secteur judiciaire, le secteur de la chaîne pénale. Oui. Voilà. Et c'est une question qui vous préoccupe également au niveau de la haute hiérarchie, la question des conflits éleveurs-agriculteurs, conflits intercommunautaires, le problème de le Tchadien lambda qui n'arrive pas à manger à sa faim, par exemple. Je relève que le conflit agriculteur-éleveur relève d'un conflit transnational, hein, où il y a le Sahel, le Niger, le Sénégal, le Mali, qui sont des pays effectivement ayant les mêmes configurations géographiques que le Tchad. Ce conflit, nous l'avons aussi, nous le gérons depuis plusieurs années, hein, et qu'aujourd'hui, le forum a apporté des propositions concrètes qui vont permettre aux autorités, hein, parce qu'effectivement, c'est le point de vue des experts, acteurs de la société civile, acteurs de terrain, qui ont débattu pendant trois jours sur cette thématique. Relevant effectivement du conflit éleveur-agriculteur. Les propositions ont été faites, que ce soit dans le but de comment apporter des moyens aussi bien aux agriculteurs tout comme aux éleveurs, afin de leur permettre effectivement de pacifier leur rapport. D'autres propositions aussi concrètes, faites même par la société civile,
tchadiennes nous sont parvenues et qu'elles pourront peut-être être, émises auprès de d'autres autorités. Effectivement, les plus autorités sont effectivement concernées par cette situation qui empoisonne déjà la vie sociale, qui empoisonne les rapports entre les humains au Tchad. Le conflit communautaire a pris une dimension telle que les autorités ne doivent pas quand même bannir parce que ça risquerait de mettre en difficulté la cohésion nationale. Qui vient la paix, le développement. Et donc, dans un processus comme le nôtre, il faut absolument que les uns et les autres doivent être regardants sur cette problématique. Mais il faut absolument que les moyens soient alloués aussi bien aux agriculteurs tout comme aux éleveurs. Effectivement, ta question a tout son sens. Il faut que les partenaires techniques et financiers apportent des moyens conséquents pour résoudre cette problématique et permettre aux Tchadiens de vivre dignement et sans heurts ni conflit. Parce que ce conflit a pris une dimension telle que les autorités sont aussi préoccupées. Hein. Je pense que et nous sommes vraiment sincères là-dessus. Nous allons faire en sorte que vraiment la question trouve des solutions le plus urgentes possible. Les droits de l'homme valent aussi pour les femmes. Madame Thérèse Mekombé, quelle est la situation de la femme quand on parle des droits de l'homme? Peut-être le temps ne nous permet pas de faire la situation en général, mais en quelques mots, les droits de la femme. Avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir un peu sur ce que les uns et les autres ont dit. Je crois que chacun est dans son rôle. Hein. Oui. Chacun comme dans son rôle, le ministère est dans son rôle, le Conseil aux droits de l'homme, la présidente est dans son rôle, M. Félix est dans son rôle également de partenaire technique du Tchad. Moi, je suis dans mon rôle également de défenseur des droits de l'homme. Nous ne regardons pas les choses de la même manière. Nous ne faisons pas les analyses de la même manière. Quand j'écoute les uns et les autres, c'est comme si vraiment on est dans le respect total des droits de l'homme. On fait semblant d'être dans le respect des droits de l'homme. Moi, je pense que on se dise une certaine vérité. On est au Tchad. On connaît comment ça se passe. Quand vous êtes d'accord qu'il y a une prise de conscience que nous voudrions mieux faire? De la part de qui? Tout le monde. Est-ce que vous, au niveau de la société civile, vous n'êtes pas, jusque-là, vous n'êtes pas entendu? Votre voix ne porte pas loin? Ça ne porte pas, monsieur. Ça ne porte pas. Parce que quand, tout à l'heure, on me dit que les marches sont autorisées dans la phase de transition, j'ai dit non, quand même. Combien de jeunes ont été tués pendant les manifestations? Ce n'est pas pendant la transition. Les marches autorisées, maintenant, quand les marches sont autorisées, on recadre. C'est vrai qu'on demande aux forces de défense de cadrer un peu la marche. Mais quand on dévie l'itinéraire, c'est quel genre d'autorisation? Et revenons à la question de la femme. Le droit de la femme, le droit de l'homme, là, en général, quand on parle des droits humains, y compris le droit de la femme. Mais quand on regarde le droit de la femme également, c'est encore pire que quand on parle des droits humains en général. La femme tchadienne est régie par une situation de droit de la femme qui est hybride. Tantôt c'est le droit positif qui s'applique, tantôt c'est la coutume qui s'applique, tantôt c'est le code musulman qui s'applique à la femme. Si bien que la femme tchadienne, les droits de la femme tchadienne ne sont pas respectés. Et quand je vous dis que nous recevons des victimes des violences basées sur le genre, tous les jours que Dieu fait. Nous avons un centre d'écoute ici à N'Djamena. Nous les avons un peu partout au niveau des provinces. Et nous savons comment ça se passe. Les droits de la femme ne sont pas respectés. Pour la petite histoire, quand on va pour former les autorités communautaires, par exemple, pour leur dire qu'il y a des droits de la femme, on dit, mais ça, c'est les choses des Blancs. La femme n'a pas de droits. La femme est considérée au même titre dans nos sociétés comme les enfants. Et donc, une femme est là pour être... pour être violentée, peut-être utiliser le terme chicotée, parce qu'elle n'a pas osé faire ceci, parce qu'elle n'a pas respecté l'homme. Donc le droit de la femme au Tchad, là, vraiment, je vous assure que ça dépasse même l'entendement. Oui, est-ce que... Avant-hier encore, il y a un monsieur qui a tué sa femme, qui a tué son beau et qui s'est donné la mort. Pourquoi? Oui, ça peut arriver. Est-ce que les non, femmes... Non, ça ne peut pas arriver, monsieur. Ne dites pas que ça peut arriver. C'est des choses qui sont là qu'on doit décrier. Oui. Et dire pourquoi c'est arrivé. Oui. C'est parce que les droits de la femme ne sont pas respectés. Est-ce que les femmes continuent à se résigner ou les femmes il n'y a pas beaucoup de résignation. C'est pour cela que moi, j'ai dit... Elles se battent. Quand nous recevons, par exemple, plus de 400 femmes dans l'année qui viennent se plaindre parce qu'elles ont vécu des violences, je me dis, je le prends sous deux angles. L'angle de la prise de conscience.
Parce qu'avant, on ne dénonçait pas. Une femme peut être maltraitée, renvoyée de chez elle, l'héritage ne lui serait pas accordé, mais elle n'oserait même pas venir dénoncer. Donc je dis, c'est une prise de conscience quand les femmes viennent maintenant dénoncer les violences qu'elles subissent. D'un autre côté, que je vois d'une manière négative, c'est que on se dit, bon, continuez à parler des droits de la femme, mais nous, on va continuer à violenter les droits de la femme. Donc, vous voyez, on est sur cette balance qui font que les droits de la femme restent encore un problème qui est très sensible et qui doit être pris aussi à bras le corps comme les autres problèmes. Et c'est une lutte. Hein? C'est une lutte, bah, une lutte, ça, c'est pas pour demain. On est dans le processus, on est dans la lutte là, depuis quelques années, mais on estime que ça peut améliorer si les documents, si les textes. Moi, je vais parler du code des personnes de la famille, qui est là, dont on n'en parle pas. Parce qu'un ministre qui arrive, qui veut parler du code de la famille, là, je ne sais pas si on la pince, et puis c'est fini, on n'en parle pas. Ayons le courage d'avoir notre code à nous. Ouais. Pourquoi on doit utiliser le code napoléonien de 58 que nous devons utiliser au Tchad? Et on se dit que qui n'est pas adapté à nos réalités. Et quand on dit que non, qu'on ne veut pas du code des personnes de la famille, qui est élaboré par les Tchadiens en prenant en compte tous les désidératas de la couche tchadienne, alors, on est dans quel état du droit? Nous aurons l'occasion de revenir sur ces sujets qui semblent être intéressants. Monsieur le directeur, il y a d'autres aspects de la question des droits de l'homme, par exemple au niveau des industries extractives également. Les gens ne respectent pas trop les droits de l'homme. Est-ce qu'au niveau de votre institution, il y a des garanties? Vous avez également évoqué cette question? Effectivement, la question a également été donc, ça fait l'objet donc d'un thème, à part qui a été débattu par des éminents panélistes qui se connaissent donc dans le domaine. Et donc effectivement, les constats ont donc été faits et les recommandations également donc été donc sorties. Ces recommandations, comme je l'ai dit toujours, nous allons donc nous considérons que c'est un point de départ quand même important pour le Tchad en matière donc des droits de l'homme. Du moment où, comme l'a relevé donc Monsieur Félix, le comité se fera donc le devoir de faire le suivi afin de et nous avons également donc évoqué que le dialogue, le forum se fera donc tous les deux ans. Ça veut dire que d'ici 2024, nous allons donc nous retrouver et nous allons donc évaluer qu'est-ce qui est pris en compte, qu'est-ce qui n'est pas pris en compte. Et ce n'est pas pour dire que toutes les recommandations seront prises en compte, non. Mais les prioritaires, quelques-unes, seront donc prises en compte et nous allons toujours les reconduire, mettre la pression sur le gouvernement pour que ces recommandations puissent effectivement être prise en compte afin que le citoyen tchadien puisse donc jouir de ses droits à travers les textes que le Tchad lui-même a donc soit ratifié, soit donc fait adopter par les parlementaires. Le temps nous prend pratiquement à la gorge, il nous reste moins de 5 minutes. Monsieur le conseiller, nous avons beaucoup d'autres droits encore, hein, droits à l'eau, hein. Il faut qu'on ait accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé. Quelles sont les perspectives? Puisque c'est vrai, il y a encore des manquements, il y a des ratés, relevés par Mme Mekombe, relevés par le représentant des Nations Unies, mais également relevés par vous-même. Mais quelles sont les perspectives? Merci. Je voudrais juste réagir par rapport à Mme Mekombe tout à l'heure sur le droit de la femme tchadienne et le droit de la femme en général, en ce qui concerne le Tchad. Je pense qu'elle aurait dû relever les pesanteurs sociologiques qui sont des véritables obstacles permettant, qui n'ont pas permis aux femmes, à la femme tchadienne de saisir les instances habilitées à résoudre leur cause. Et je voudrais aussi que si on compare, même en France, en Suisse, les femmes sont résignées et souvent elles n'ont pas posé des actes visant à défendre leurs droits. Je pense au Tchad, on a encore, comme le disait tout à l'heure Félix, on est encore à mi-chemin. Hein. Donc il faut qu'il y ait un ancrage des droits de l'homme chez la femme tchadienne et qu'elle essaie de dépasser effectivement ses limites, ses barrières pour leur permettre d'avancer et de revendiquer leurs droits. Et il faut que les autorités aussi accompagnent ces mesures pour les aider à s'épanouir et s'émanciper totalement. Pour répondre à votre question, en une minute, je pense que les perspectives sont là, à l'issue du forum et en lui-même effectivement des perspectives, parce que les recommandations, une fois appliquées, elles permettront au peuple tchadien et au Tchad en général de pouvoir vraiment vivre dans de devenir
interne de paix, havre de paix et de stabilité. Je pense que voilà, un peu résumé, hein, ce que je pense en termes de perspective. Il faut absolument que les recommandations issues de ce forum soient vraiment appliquées totalement dans leur rigueur et permettre effectivement aux Tchadiens d'en bénéficier. Voilà, il y a espoir de votre côté également de voir des changements un jour au Tchad en une minute. Bien sûr, il est permis. L'espoir est permis, oui. Bien sûr. Et moi, je voudrais, au nom du bureau du Haut Conseil des droits de l'homme, réitérer notre vœu de voir les recommandations du Forum national sur les droits de l'homme être discutées lors du dialogue national inclusif pour que ces recommandations puissent prendre force exécutoire. Et donc, de là, je crois que l'espoir est permis, et notamment si le dialogue national inclusif peut retenir ces recommandations, y compris la politique nationale des droits de l'homme et son plan d'action, nous pourrons accompagner cela avec nos partenaires, le partenaire gouvernemental. Voilà, elle est la seule parmi nous, mais sa voix porte. Madame, vous avez une note d'espoir, hein? Est-ce que vous avez espoir? Est-ce que vous avez de vœux? En quelques secondes. Bon, quand on est en vie, on espère. Hein? On espère, mais moi, je ne vais pas avoir cette espérance-là totale. Il faudrait qu'il y ait des efforts concrets qui soient faits de la part de nos autorités. Parce qu'entre le dire et le faire, il y a toujours un fossé. Oui. Donc, il faut combler ce fossé-là. Vous allez continuer à lutter pour que ce fossé se rapproche. Oui, mais la lutte continue. Hein. Tant qu'on est en vie, hein, tant qu'on vit, on lutte. Mm. Donc moi, je voudrais dire que l'espoir se fera quand la réforme de la justice se fera d'une manière totale. Mm. Lorsque le comité de suivi, on parle de comité parce que je voulais dire une petite chose par rapport au comité. Généralement, on met les comités, les commissions, les groupes de suivi. Mais ces groupes et ces comités-là meurent de leur propre mort parce qu'on ne met pas en place le fonctionnement et ça va mourir. Et on espère peut-être qu'avec l'appui des partenaires que ce comité de suivi des recommandations du Forum sur les droits de l'homme pourra travailler et faire en sorte qu'on puisse évaluer dans 2 ans, si Dieu nous prête vie, d'évaluer les recommandations, la mise en œuvre de ces recommandations-là. Mais moi, je voudrais dire aussi, par rapport au niveau de la société civile, on parle des organisations de la société civile, on parle des autorisations qui se font, mais nous avons également cette ordonnance, la 023, qui est une épée de Damoclès sur la tête des associations de la société civile. Et donc là aussi, ça demande une réforme. Ça demande soit qu'on s'assie, parce qu'il y a l'Union européenne qui était en train d'accompagner déjà les organisations pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir un document qui soit adapté au contexte, adapté à nos réalités, parce que l'ancienne loi date de 67. Mais le gouvernement, par quelle alchimie, a élaboré, adopté à une vitesse épouvantable cette ordonnance 023. Donc, monsieur le conseiller aux droits de l'homme, vous êtes là, il faudrait que vous fassiez cet effort-là, à ce niveau-là, pour que moi, je puisse espérer que le droit de l'homme soit respecté dans ce pays-là. Sinon, bon. Moi, je retiens encore une partie de l'espoir. Bon, c'est un défi, elle a un peu l'espoir. Merci à chacun de vous. Merci d'avoir accepté de venir participer à cette émission qui a été réalisée autour du thème « État des lieux des droits de l'homme au Tchad et perspective ». Nous avons reçu autour de cette table 4 invités. M. Makaila Gebla, qui est conseiller chargé des droits de l'homme du PCMT. Nous avons reçu également M. Félix Awansou, représentant adjoint de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Tchad. Merci aussi d'avoir accepté de participer à cette émission. M. le directeur des droits humains au ministère de la Justice, Bedingra Ngarcédé Valérie, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Et Mme Mekombe Thérèse, présidente de l'Association des femmes juristes au Tchad, merci une fois de plus de votre participation très active à cette émission. Conseiller, merci. Et merci également à vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs, d'avoir accepté de participer avec nous à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.